La nouvelle conception de cette place présente les caractéristiques géométriques suivantes. Une haute bordure extérieure en béton, limitant le pourtour afin d'éviter toute escalade par les usagers qui s'en servaient comme parking. 4 accès pour visiteurs ou piétons, symétriquement disposés, dont un sera l'axe de l'avenue Jacques Opangou. 4 parterres d'espace vert, symétriquement disposés, dans lesquels seront plantés du gazon vert de première qualité et des bouquets de fleurs variés et exotiques, naines ainsi que des arbres décoratifs judicieusement disposés. En contrebas du dé d'appui, sur un socle de 10 à 12 cm, sera érigée une statue en bronze du soldat de la paix de 2,50 mètres faisant face à l'avenue Jacques Opangou. Sur la façade principale du piédestal seront plaqués les symboles des forces armées congolaises. L'ensemble du piédestal sera centré sur un carré de 10,50 mètres de côté par rapport à la surface totale de la place et accessible par des marches sur un seul côté faisant face à l'avenue Jacques Opangou.